Oh là là, quelle est longue cette ascension pour percer Dis donc, le sac et le bâton, c'est pour. Ouais, j'ai plus d'idée d'introduction, moi. C'est bon, ça va. Ça fait trop de vidéos que je fais bien le bonjour, la ténacité. Il y a deux ans, je sortais une vidéo qui a fait cogiter beaucoup de monde de ce que j'en ai lu en commentaire. C'était le but. L'épisode mélangeait analyse socioculturelle, divertissement et marketing sur un ton assez fataliste, mais pas moins réaliste. Aujourd'hui, avec une si grande période de mouvement, mine de rien, deux ans dans le rap, et surtout dans notre décennie, c'est c'est stock. Je vous propose d'actualiser tout ça en revenant sur toutes les interrogations qui se sont passées ou pas, en mieux ou en pire. On va donc voir où est-ce qu'on en est, sur quoi on s'est trompé, ou même ce qui s'est réalisé. Ça va aller vite, c'est très factuel, sans tomber non plus dans la branlette intellectuelle facile. Disais ton truc, il est pas efficace aussi Et pour la culture, vous avez tous ces épisodes-là, euh, qui attendent ceux qui ne les ont pas encore vus. Bon, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez de nouveau, du raisonnement intégral, qui m'amène à acter que le rap français tel qu'on l'a connu se meurt bel et bien. Je crois qu'il est temps de relancer le magnéto. Dans l'épisode 1, TikTok était au cœur du débat, c'était l'une des problématiques des plus importantes. Et comme ça remonte un peu et que j'avais débité comme Eminem pendant 11 minutes. <tous> Petit résumé dans les grands traits de ce qui s'est passé depuis 2021 pour me faire le parallèle. Et évidemment, je vais commencer à revenir sur certains points, histoire de ne pas non plus proposer que de la paraphrase. Avant que vous ne soyez déconcentrés en pleine analyse, évoquons justement un partenaire qui me suit sur beaucoup de vidéos cette année, chez Nation. Alors, pour apporter de la nouveauté, étant donné que ça fait déjà trois fois que j'en parle, parlons justement de leur attachement à proposer régulièrement de nouvelles pièces sur leur site que vous pourrez directement retrouver sur l'accueil. Je me fais bouffer par Agnostic. L'été est là, ça y est, on peut de nouveau orner du ice sur, euh, sur tous les membres. Enfin, tous les membres. <laughs> T'es là pour tous les goûts, toutes les personnalités, euh, voilà, et puis même si vous avez prévu de partir en vacances pendant une semaine il livre sur toute la planète, c'est-à-dire que tu es là, t'es avec ta femme. Tu te dis fais chier, j'ai pas commandé mon ice ah, et tout, je voulais mon petit bracelet doré, ma petite chaîne de cheville argentée. Et évidemment, euh, là je ne l'ai pas sûrement parce que je ne l'ai pas tout court. Mais un double organic earth parce que voilà, es très amoureux. Et ben mec, en 2-3 jours, ça y est, tu l'as. Chez Nation on a l'avantage de proposer des produits accessibles voilà, pour tous les prix. Hein, pour les petits budgets euh, comme moi de base. Ou alors euh, vraiment, si tu veux du VIS plus plus, tu peux également euh, te Lâcher. perso je reste toujours aussi satisfait de la qualité hein. voilà ça fait euh, pourtant des mois que je les ai je les malmène fort en concert ou au Five aussi, ça ne bouge pas. Là, c'est actuellement les soldes jusqu'au 25 juillet, donc vraiment, n'hésitez pas à aller au moins par curiosité checker le site. Sachez aussi que sur ces produits soldés avec le code TPZ30, vous avez moins 30% plus le combiné euh, soldes et compagnies donc en fait, euh, vous pouvez avoir des produits presque deux fois moins chers euh, que d'habitude. C'est le meilleur combo pour s'égaler. Suivez bien le lien en bio, surtout pour soutenir la chaîne à long terme. Et puis, euh, qu qu'est-ce euh, qu que je disais moi La vidéo d'il y a deux ans revenait d'abord sur la passation générationnelle du rap dans les années 2010, qui malgré tout, c'est bien passé. Old school et new school ont plutôt bien cohabité. Voilà qu'on s'apprêtait même à rentrer dans l'une des décennies bullrun tard de Bitcoin. Ouais, mais moi je suis heureux. Plus particulièrement après 2015, on enchaînait 5 années de folie, que ce soit via les sorties d'albums, l'ascension de multiples carrières, les stratégies marketing novatrices, l'enchaînement de festivités, les nouvelles technologies. Mais tout s'est calmé vers 2020. Un nouveau cycle de consommation a commencé, car la génération alpha est arrivée, et cela en baignant dans le fameux tourbillon. TikTok. Le rap, est-il bientôt mort, était très concentré sur cette machine de guerre qui ne commençait que tout juste son brassage avec notre milieu et comment dire que c'était pas très encourageant pour euh, des débuts. À ce moment-là, on ne retrouvait 90% du temps que le rap avec les freestyleurs Instagram qui avaient migré dessus et quelques gros du mainstream pop rap avec leur concours challenge euh, sans serveur là. On les aime bien les rap c'est tout, mais ils forçaient de fou à ce moment-là. Ok, petit bond dans le temps, malgré tout, le rap s'est quand même bien débrouillé. Et aujourd'hui, quand quand on ouvre l'appli on est inondé de rappeurs partout soit en freestyle soit en making of extra d'interview la multiplication des rediff twitch et youtube euh, incluant des rappeurs les remixes mises en scène qu'est ce qu'il y a d'autre aussi auto promo un petit peu différente des analyses et anecdotes concernant le rap ou alors du contenu mélangeant divers autres arts au rap voilà au final plutôt carré, et on verra pourquoi finalement le vent a bien tourné. Prochain chapitre. La vidéo continue en comprenant en quelque sorte le chemin suivi par cette génération alpha qui, comme les précédentes générations, est de vouloir avoir ses propres tendances, ne pouvant s'approprier, avoir des sentiments d'appartenance à une musique et qui est le rap, qui, in fine, est omniprésente. Banal, kiffé par les vieilles gargouilles, à contrario de toute la nouvelle suite que proposait l'application, comme d'exécrable mash-up, qui était néanmoins de leur délire. Et Matrix, encore les CM2 d'aujourd'hui, tellement ça leur a détruit le cerveau. En cours élémentaire. En 2021, le rap n'accompagnait donc que très peu notre futur. On ne l'y retrouvait qu'à travers quelques hybrides rap, pop, euh, du top 10 Spotify. Bref, c'était vraiment mal barré pour le maintenir dans cette nouvelle page de notre société, qui est avant tout une société de consommation. Génération Alpha. Voilà, 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 est-ce qu'on fait pas des liens de fou nous Mais voilà qu'est arrivée une évolution favorable à son maintien auprès des jeunes, l'accélération massive des morceaux produits sur mesure pour TikTok. Comprenez des phrases ou carrément des refrains qui, au-delà de faire leur taf, sont visuellement. Très explicite, la viralité est primordiale non plus seulement par le fond, mais la forme qu'on va pouvoir lui donner, il faut que ce soit très clair à scénographier, mimer, théâtraliser, chorégraphier, la pensée euh, et tout autre que les précédentes décennies. Et à vrai dire, c'était le choix parfait à faire courant en 2021-2022 en plein air des POV et, et caption qui étaient en total remontada sur l'activité principale de l'application qui est de base la danse. Ça a marché. Le Pura s'est vraiment bien intégré à la pop internationale. On peut même dire qu'un artiste émergent comme Impliqué 50 à l'époque et le single Canada, il est pour beaucoup dans cette avant-après suite justement à son... Retournement de l'application en 2022, et j'y faisais référence dans la vidéo sur le business des youtubeurs dans le rap. Pareil, ça là, si vous l'avez pas vu, euh, encore un classique à D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, là, il y a plus de 320 000 captions et POV sur Canada. Alors, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est peut-être le morceau français euh, dans le rap le plus populaire. Il cumule des milliards de vues en tout sur l'application, c'est dingue. Par la suite, dans ceux qui ont un petit peu suivi ce chemin, on a aussi vu des SDM, Warren, Tiacola, Carbone. Ou encore le TikToker eBay avec ses randoms au studio. Tous ces gens ont vraiment pu constater que leur notoriété était en train de stonker de manière euh, assez viable. Pas que du buzz éphémère, mais des fanbases qui se stabilisent très fortement sur plusieurs mois. Il suffisait juste de quelques particularités virales et les dés ont été relancés. Pour expliquer ça, on peut aussi évoquer deux corrélations qui touchent l'application en elle-même. D'abord, TikTok s'est rééquilibré quant à l'âge de ses utilisateurs et créateurs entre 2021 et 2022. Ben, je vous mets des chiffres à l'écran là. C'est euh, plus de 400 millions d'utilisateurs supplémentaires et avec un tel essor, et évidemment qu'on pioche les 7 familles et que nous autres, 92 000 passionnés de Peura qui euh, diguent les pépites, ben, on y est dedans. Et puis ensuite, les algorithmes ont aussi beaucoup changé. Une fois que voilà la recette elle, a été comprise, que les, les plateformes en elles-mêmes ben, arrivent à cibler euh, des choses qui leur apportent... Euh... Bon voilà, on ne va pas partir sur le business d'application. Mais mine de rien, il est presque plus facile aujourd'hui, en 2023, de faire percer un TikTok avec un son encore inconnu. Qu'un morceau qui sature déjà les publications, mais bah parce que justement, ça les sature beaucoup trop. Parce que voilà, pour certains morceaux, le volume des reprises ont vraiment trop dépassé euh, l'entendement. Puisqu'on parlait de lui tout à l'heure, les titres "Muse" et "Sans Nuance" de Warren en sont de très beaux exemples récents. Pourtant, partis de zéro. Concrètement, les artistes qui se démarquent par leur timbre de voix, les ambiances qu'ils vont pouvoir euh, mettre dans leur son, leur univers visuel de manière globale, ont plus de chances de se faire relayer aujourd'hui. Avant. Et c'est très bien est sur TikTok De ce fait, la musique que notre génération veut absolument préserver pour l'écouter encore longtemps, s'est faite son trou sur les jeunes terres. Ok TP, du coup, si tout va bien... Ouais. Ensuite, n'oublions pas que le rap-jeu doit aussi cette contamination réussie aux vidéastes. En deux ans, il y a eu une explosion des apparitions des rappeurs auprès de Inox, Squeezie, Amin, Gota et compagnie. Bon, point positif pour le plura, ça aussi, ça a permis d'en faire ressortir de mythiques clips à riposte et se faire connaître, donc sur l'application TikTok toujours ben auprès euh, dès 2010 aujourd'hui les petits connaissent Gazoo et Koba alors voilà vous allez me dire ouais euh, bon on va pas t'en s'enjouer que ça euh, quand même en 2021 c'était pas c'était vraiment on était encore plus loin on était oh faut se contenter de ce qu'on nous donne aussi donc notre génération d'MC qui jusqu'en 2021 ne savait pas trop comment exploiter euh, l'application société de merde réseau de merde on a été ravi. Mais, 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 évidemment, l'humain n'a pas pu s'empêcher, comme d'habitude, de repasser les traits au gros feutre. 2022 sera aussi en France l'année de la fameuse Jersey Drill. Alors, autant la UK et la US, voilà, je trouve ça gang, effectivement, il y a un petit truc. Autant la française. Euh... C'est fait en 15 minutes ou voilà, <laughs> fallait bien que ça arrive, hein. le rap s'est retrouvé, mêlé dans les vis de la surface capitaliste de cette application communiste qui est TikTok. Des fois, je donne des précisions, elles servent à rien. Gambi en est même revenu de sa retraite. Ça remixe, ça speed up, ça bouge dans tous les sens, bref, tout est dans l'image, pour ne pas dire dans l'attitude, parce que ça, il <laughs> n'y en a pas. Voilà, c'est bien deux minutes, je dis pas le contraire, moi-même j'ai streamé fort « Calme-toi » de Kerchak, mais une fois qu'on prend de manière objective la chose... C'est un style cru, bas de gamme, ça n'a même pas fait tant l'unanimité qu'on le croit. Hein. Ok, ça a chiffré, ça fait des sous, mais aujourd'hui c'est trop facile de faire des sous avec n'importe quoi. Il y a, y a plein de gens qui le démontrent, c'est pas pour autant que c'est bien. Par contre, ça a fait du bruit et fait croire aux petits que c'était ça le vrai rap. Merde. Euh, les petites conclusions pour TikTok. Après deux années, le rap et la pop rap ont plutôt réussi leur infiltration dans la société du futur entre autres car les tendances ont bien été surfées et que notre génération y est aussi bien plus présente. Cependant, la surexposition que propose l'application tente Méphistophélès, donc on verra bien si la direction du vent reste en notre faveur auprès des jeunes. Car ce qui fait la force de Nars, c'est sa capacité à se transmettre d'une génération à l'autre ce qui se passait pour le rap jusqu'ici, pourvu que ça dure. Pour le moment, en tout cas, mine de rien, TikTok permet à des profils plus créatifs de mieux émerger, contrairement à il y a deux ans où la viralité ne profitait qu'aux artistes déjà connus. Enfin, pour terminer sur ce grand chapitre, les codes du divertissement de TikTok ont bien été compris. Et ça, c'est plutôt bien illustré avec la percée de eBay, l'accentuation des crossovers, les scores de certaines anecdotes rap format TikTok comme avec Fulmino, Script, et pour terminer, l'inclusion des TikTokers dans les budgets promos des rappeurs. Mais TP, si tout va bien, pourquoi tu dis que le rap se meurt Attends, c'est pas ma DA ça. Alors que certains artistes, plus efficaces dans le marketing d'aujourd'hui, font leur place à travers un nouveau réseau, d'autres commencent fortement à nous gaver en nous saturant de mythosité. Je pense, frérot, que quasiment tout le monde est au courant de cette jeune information mytho. Et évidemment que ça nous donne envie de voir ailleurs. En 2021-2022, on a globalement eu très peu d'albums des grosses têtes de la décennie précédente, celles de la renaissance de l'industrie du rap. Et malgré tout, le peu qui a été drop, ça les a skip en. 15 jours, max. SCH, Koba, Valve, Orelsan, Niska, encore SCH. Oh, les déceptions, ça y est, ils sont cramés. Et c'est pas qu'ils n'ont pas évolué, qu'ils font toujours la même chose. Non, non, tout va très bien. Pour ma part, je stream encore énormément de leurs précédents albums. Ça n'a pas mal vieilli. C'est juste que pour le coup, les boys, ils ont régressé. Ils sont tombés dans leur propre caricature. La facilité, épuisée par le showbiz à, en moyenne, tout juste 30 ans. Oh, c'est la force de l'âge pour un artiste, normalement. Euh... Carré, si nous sommes au nord, il avait 30 piges. Le truc, c'est qu'on mise encore beaucoup sur eux parce que c'est mine de rien, les seuls qui peuvent encore porter au rang mainstream un rap tel qu'on le connaît à travers la variété et la pop. Ils ont les médias, radio, télé, une autorité de fou. Mmh. Mais non, ils savent plus faire. Si on regarde bien tous leurs top sons, la plupart, c'est quoi C'est soit de la zumba, soit leurs classicos antérieurs tous à 2020. Quand pour beaucoup, ils avaient encore des choses à prouver malheureusement après vous allez me dire bien sûr que maintenant ils n'ont qu'une envie c'est de faire la fête vu comment ils ont rempli leur portefeuille avec ça une fois puis euh, la moula globalement qui se sont fait depuis avec euh, des gros gros sons rap qui ont bien marché putain SH c'est vraiment euh... j'en parle tout le temps je suis en train de faire un hyper focus là. sauf que voilà pour toute cette génération ils ne sont désormais bons qu'à mettre dans les chartes des sons club et être de plus en plus pop et ne défendre le rap plus que dans le paraître parce que à la base c'est des rappeurs et que ça c'est encore un petit peu quand même kicker en rythme en fait le rap n'est devenu plus qu'une façon de poser mais là aussi voilà qu'est une jeune relève qui veut autant préserver le digne rap que le mêler à d'autres influences sonores et visuelles pour le rafraîchir la fameuse new wave alors attends juste avant on va éclaircir certaines choses premièrement je peux pas blairer ce terme deuxièmement euh, les gens pareils qui disent que ouais machin ça écrase les discographies précédentes Pff, euh, non et troisièmement ceux qui n'y voient que du négatif Oh, arrêtez les frérots, c'est moi bon. Ensuite, dans le concept new wave là, on parle de rap, donc je n'inclus évidemment pas l'hyperpop qui n'est pas hip-hop. Et tous les jours, Nick les sistra qui baignent dans la new wave, cordialement. Bon, cette nouvelle gênée, donc non, 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 toujours pas drôle, toujours pas drôle. Eh bien mine de rien, j'en suis content. De vrais nouveaux flows, une belle maîtrise des SFX, des prods plus complexifiés et aux sonorités qu'on n'a jamais entendues jusqu'ici. Comment tu veux qu'on les respecte et encore pire au state. On peut le tout qu'il a sur 10 ans, Noir et blanc dans mon iris Les médias ne Tu bois des litres tu bois des lettres Et tu crois parler aux anges Un travail qu'on retrouve de plus en plus sur mesure oh, Ça je le sais Mais je dirais pas Je suis le chef c'est moi qui régle Tu demandes d'où on vient ma gueule On vient de haut Les titres. Ça rappe fort sur d'autres genres de prod tard la future basse Faut accepter de voir la misère du monde dans le trône dans le crâne Tout part mes passe Où mes yeux, où mes yeux Même quand ça m'élo ça rape Voilà c'est pas de la petite pop chantonnée là comme si j'ai 48 ans dans la tout le monde est j'arrive et au- delà de ça ils font très bien leur taf lorsqu'il s'agit d'aller répondre présent sur du freestyle brut lorsqu'ils sont invités chez grunt des fois je me dis j'ai l'impression que cette génération à la pop avec des ambitions révolutionnaires dans le bon sens tout ça parce que les gros et vas-y rebelotent que ça s'enfonçait dans la musique qui est juste faite sur mesure pour le showbiz. Ça, ça devenait trop fan elle est dégueulasse cette ambulette. Je me suis fait une remarque là quelques jours avant de tourner la vidéo, vous vous rendez compte qu'on en a même perdu le rap de saison. Ils sont où tous les morceaux Ouais ça c'est un morceau d'hiver, ça c'est un morceau d'été. Ça y est, ils ont commencé maintenant, en novembre, on a des sons pour qu'ils puissent péter, exploiter de manière euh, à long terme sur TikTok. Mm. Ça y est, ça y est, t'es pesé des grilles autour. Voilà. Non, de manière plus sérieuse, eh, on n'est pas d'accord que ça fait quand même presque 2-3 ans que ça y est, on a l'impression que, outre les nouveaux rappeurs qui ont encore tout à prouver, les autres ne nous balancent que des sons d'été faits en une heure. Donc, tandis que les vieux s'essoufflent à tout juste 30 ans, et hein, se par le capital, les jeunes visent l'originalité sur tous les points, jusqu'à même leur typo de leur post Instagram pour se construire une carrière sur mesure à l'image millimétrée original, plus ou moins différenciable, mais également s'implique bien plus dans le processus créatif. Hein. C'est une remarque que je faisais au jury sur l'épisode de Nouvelle École que je vous mets également jusqu'ici là. Oh, vous allez avoir 15 fiches à aller voir. Ça y est, ça y est. Ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui, abonnez-vous comme ça, c'est fait. Vraiment les frérots, pour pas se casser la tête. Et enfin, cette nouvelle génération d'artistes se comporte comme si sa mission était de sauver un genre qui se meurt. En fait. Mais Honnêtement, je suis peut-être partie des premiers à avoir eu du mal à globalement tolérer cette New Gene au début. Surtout quand j'ai vu comment elle a été médiatisée, par qui comment le public élitiste, t'as la bourgeoisie que ça en a déduit derrière, mais pour de plus en plus prendre la température auprès de celle-ci, et notamment à travers les concerts, frérot, entre une fanbase de Val du et de la Favessilug, ce n'est pas les premières les plus hip-hop. Hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre après Voilà que même musicalement, assez rapidement, j'ai tège tous mes blocages, parce qu'ils sont honnêtement très très pro. Bon, je vais pas partir sur une analyse de cette GNE 3.0 au risque de la surcoter, parce que c'est pas le sujet, mais au moins vous avez un petit peu aperçu ma vision, et j'ai essayé de rester objectif. Parce que, en tout cas, là-dessus, la subjectivité, euh, ça n'a pas trop euh, bien euh, payé jusqu'ici. Hein. Allez, mini récapitulatif de chapitre, histoire 2. De... On ressent encore sur un tout autre point que le rap se meurt, mais renaît immédiatement de ses cendres. Et cela par des éléments caractéristiques précis, immuables. Ça se passe par des profils qui ne sont pas seulement atypiques, mais aussi charbonneurs, authentiques, et qui ont la dalle, la vraie dalle pour le coup. Comme après que le rap de nos grands frères les ait fatigués et que d'autres artistes soient venus derrière. Rafraîchir tout ça. Finalement, n'est-ce tout simplement pas l'histoire du rap, dans quelque sorte, s'auto-réanimer constamment Je vais pas refaire toute la genèse, mais rappelons tout de même qu'à l'origine, notre discipline s'alimente par les autres musiques. Pour que les b-boys existent et ensuite les rappeurs, il fallait bien un morceau comme Funky Drummer de James Brown, avec évidemment Monsieur Cool Herc aux platine. Work. We would play the break part back and forth, and, and that really astonished me. I was really impressed when I seen that, something like that, because i never seen anything like that before. And I told them, I said, I'm going to try something new tonight. I'm going to call it America rock. the merry-go-round. Stomp Rock feet, clap James Brown, clap your hands, stomp your feet. <laughs> and with the break, boom, I had to come in with Bongo rock. <laughs> Depuis des décennies, la flamme a continué à s'attiser ainsi, en empruntant, en bricolant, en samplant. Ce qui a vraiment caractérisé le rap en lui-même, c'est les notions de kickage, de flow, et évidemment tout l'esprit hip-hop autour dans lequel il baignait. Bref, en gros, surtout de la forme. Sinon, en soi, dans le fond, c'est-à-dire musicalement, ce qu'il avait de temps original, mais qui restait quand même très simple, très binaire, c'est sa base. Boum boum tac. Boum, boum, tac. On est sur TP Beatbox, là. Et par-dessus cette base, tout était possible. Et, allez, c'est la porte ouverte à du rap sur n'importe quel genre d'instru. Rock, metal, jazz, blues, soul, compas, électro, euh, et tous les autres que j'ai pas cités. C'est dire à quel point pour le rap, tout s'est passé de manière très naturelle et que on n'a pas trop cherché à comprendre au début et qu'en en fait, on a compris qu'après coup, on en est même venu à se demander si avant la déclaration de la naissance du rap, in fine, il n'y avait pas déjà eu des performances rap qui datait des années 40. Extrait Et après tout ce chemin, quand on en vient aujourd'hui à le retrouver de manière fragmentée au sommet de la pop, on peut se redemander si en fait le rap, c'est pas juste l'alter ego du chant, soit tu raps, Soit tu chantes. Tellement qu'il est distillé partout et depuis bien plus longtemps qu'on ne le pense. Comme qu l'impression que le rap a fini par se détacher du hip-hop pour non plus être un style, mais une technique, une couleur complémentaire qu'on veut apporter. Qu'il reste encore possible de retrouver de manière très psycho via une large palette de jeunes rappeurs qui l'actualisent très bien. S.O. Epps, Wallace Cleaver, Agent Crack, Bébé Jacques et compagnie. Et en ont aussi fait de belles mises à jour. La previous gen. Ouais, quand je suis au studio, les mots viennent en anglais tout seul. Finalement, voir s'essouffler et se perdre dans la pop, nos top artistes au rap très conventionnel, n'est pas si grave. Ils doivent faire manger au moins 200 personnes pour la plupart, c'est des usines afriques évidemment qu'ils optimisent leur choix dans ce sens-là. Le rap français post-2015 se meurt, mais il laisse aussitôt place à un tout nouveau qui a encore de longs jours devant lui et perpétue les valeurs hip-hop. Qui sait où on en sera en 2030 À tous ceux qui seraient hermétiques à cette nouvelle vague, en vrai de vrai, ne reproduisez pas les mêmes erreurs que nos grands. Celles qu'on leur a reprochées concernant la nôtre. Parce qu'en plus, la situation n'est plus la même. On n'a pas à partager ces mêmes craintes. Aujourd'hui, le streaming a inondé le monde. Et tout ce qui peut sortir sur les plateformes ne fait qu'élargir les propositions et non faire de l'ombre au reste qui continuera d'être exposé. Regardez la scène Boom Bap. Elle est toujours là où elle doit être, hein bien que redondante. Et... Disons les terres Aujourd'hui entre des artistes pro-capitalistes Qui sont exploités par les grandes maisons Qui ne savent même plus freestyler Ou conceptualiser d'eux-mêmes leur propre album Et d'autres artistes qui bricolent comme jamais Avec d'autres genres musicaux Bossent en home studio Refont 500 fois leur prise Avec des micros à 50 balles S'entraînent de tous les côtés Enchaînent les concerts underground euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Et enfin travaillent leur texte Comme ça fait bien longtemps Qu'on n'en a pas eu Qui sont les plus hip-hop une impression générale que le rap est mort mais c'est simplement de recul que nous manquons. Alors oui, il ne semble plus être dans sa plus grande forme par rapport à certains chiffres. Ne serait-ce que des vues de clips YouTube. Ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu de gros clips rap US taper plus de 100 millions de vues Avant c'était la base. Et on peut peut-être un petit peu s'affoler par rapport à ça, c'est quand même un sacré grand indicateur sur lequel on pourrait s'appuyer. Sauf qu'on oublie que, entre temps, le nombre d'artistes s'est décuplé, que le streaming a explosé, qu'internet a permis à la terre entière de découvrir. D'autres styles, sans spécialement que ben, dans notre quotidien, le temps d'écoute explose plus que ça. Au final, c'est pas si mort que ça, c'est juste subdivisé et les gens sont allés chercher la nouveauté et il n'y a plus seulement YouTube pour écouter la musique. Rappelez-vous, avant, les l'écart type étaient dingues et le gâteau réparti en très grosses parts. Bon, tout ça pour dire qu'avant, t'avais genre 30 rappeurs qui faisaient 100 millions de vues, 200 millions au calme, mais qu'à côté de ça, les autres faisaient tout péniblement le million. Aujourd'hui, t'as là voilà, les sons qui ont des dizaines et des centaines de millions de vues, il voilà, y en a vraiment à l'appel. Et même pour des OG Underground, 15-20 millions au calme. Ensuite, condamner le rap à sa mort définitive serait manquer d'analyse. Quand même, ne serait-ce que pour la France, prêtons attention au nombre d'événements qui se sont démultipliés en lien avec le rap. Le rap n'a jamais été aussi vivant que ces dernières années. Je vais prendre la situation d'ici à Toulouse. Bon ok, peut-être ça ne parlera pas d'autres villes, mais Allez, les gars, ça bouge comme jamais. Genre vraiment tous les jours je suis dehors, je rencontre des organisateurs, des nouveaux événements, il y a des nouveaux artistes qui pop comme ça. Bah on pourrait se dire ça, oui TP, c'est un détail à la con. Euh. Les gars, on n'a jamais entendu autant de rap en bande originale de reportages, JT ou même des docu animaliers. C'est impensable, il y a 8 ou 9 ans. Bon, et puis parlons-en aussi du succès de Nouvelle École mine de rien. Même si ça a ses défauts, au moins ça a eu le mérite de bien montrer que le rap peut se euh, maintenir chez les jeunes. Et bien que bas gamme, hein, voilà, le morceau de Fresh, il s'est quand même bien exporté. Voilà, ça a fait tourner, ça a montré un petit peu une porte d'entrée. Euh, bien que bas de gamme, je le redis, mais à toute une génération, la génération Alpha, qu'on souhaitait avoir. Parce que si le rap ne la séduisait pas, là c'est sûr que finito Alors, un petit verre de Sky pour Fresh, qui a contaminé les primaires. Et les collèges. N'oublions pas que TikTok a aussi fini par jouer en notre faveur et pèse désormais gros sur la balance de la pérennité de notre discipline dans les grands traits. Le rap est mort, vive le rap. Par contre, je ne rappelle plus. Par contre la chaîne elle n'est pas morte Enfin ça c'est si vous allez au moins vous balader par curiosité Sur chaîne Nation Merci à eux pour la sponsor. Et puis euh, voilà hein, pour aller visionner les bijoux Vous avez le lien et le code moins 30% en bio En plus comme je disais tout à l'heure Des soldes euh, jusqu'au 25 juillet Bisous Prochaine vidéo sur Alpha One